Siamo con Manuel, che è membro dell'ISL, la Sinistra Socialista Internazionalista, tedesco in Germania, ed è anche, fa parte anche della Linke, nella corrente della sinistra anticapitalista di questa formazione politica. Facciamo la prima domanda che verte, che è su qual è l'umore tra i lavoratori tedeschi di fronte alla crisi dell'euro. Ci sono posizioni nazionaliste oppure la consapevolezza che ciò che sta avvenendo nei paesi come la Grecia o nei paesi del sud Europa potrà accadere anche ai lavoratori tedeschi? Allora, la première question est: quel est le sentiment chez les travailleurs allemands face à la crise de l'euro? Et s'il y a des positions nationalistes ou la conscience chez les travailleurs que ce qui se passe chez les travailleurs grecs ou du sud de l'Europe pourra quand même se passer chez les travailleurs allemands? Bon, je crois que la position dans la classe ouvrière allemande est une position qui exprime le sentiment que relativement on s'en sort encore assez bien si on compare avec les pays aux économies plus faibles, notamment en Europe du Sud, Portugal, Espagne, Grèce, la Grèce surtout. Je ne crois pas qu'ils sont ouverts à une propagande chauvine agressive, mais quand même ce sentiment qu'on est quand même encore sur le côté mieux traité prévaut. Et il faut nuancer aussi ce diagnostic parce que la classe ouvrière allemande elle-même est fortement divisée. Il y a déjà des millions et des millions de gens qui ont la vie pas facile, qui ont connu un processus d'appauvrissement, de baisse du standard de vie, de précarisation, etc. D'une part, et d'autre part, une autre partie de la classe ouvrière qui fortement syndicalisée dans les grandes bastions industrielles, qui n'a pas beaucoup perdu. Et cette division-là aussi évite des actions en solidarité avec les travailleurs d'autres pays, jusqu'à nouvel ordre. Par exemple, le 14 novembre, où il y avait vraiment des manifestations massives, pas seulement en Europe du Sud, par exemple aussi en Belgique, en Allemagne, il y avait ville par ville seulement quelques centaines de gens de la gauche politique ou de la gauche radicale ou de syndicalistes combatifs qui s'étaient mobilisés. Toute petite mobilisation à cette première grande journée d'action commune en Europe, hélas. E seconda domanda. Ah, sorry. È probabile che Schulz tenti di darsi un profilo di sinistra per le prossime elezioni europee, quasi di rottura con l'europeismo che è in voga nella socialdemocrazia? C'è da fidarsi? Allora, la seconda question è probabile che Schulz cherche à se donner un profil de gauche aux prochaines élections européennes, cherchant de rompre avec l'européisme qui est inscrit dans la social-démocratie, ou c'est probable cette position? Oui, chez Martin Schulz, la position qu'il décrit d'ailleurs dans son livre publié récemment, c'est d'une part pour une Europe plus sociale et d'autre part pour une réforme de l'Union européenne dans le sens d'une démocratisation. Il dit qu'il faut démocratiser les institutions européennes en donnant les pouvoirs normaux d'un parlement au Parlement européen en créant, pour être bref, plus ou moins à l'image de la République fédérale d'Allemagne, disons une fédération européenne avec un vrai gouvernement européen, etc.
pour les deux aspects, pour le social ainsi que pour l'aspect réforme, moi je pense que c'est une position qui est surtout pour la galerie, pour les élections, pour faire un certain profil dans les élections. Et ça masque que le SPD allemand, quand même, sur toutes les questions de fond, même avant qu'il ait redevenu partenaire junior des chrétiens conservateurs hein, dans la grande coalition, il a soutenu et voté pour toutes les mesures du pacte fiscal, du frein à l'endettement, etc. Et soutient et a soutenu toutes les mesures de choc contre les populations en Grèce, au Portugal et en Espagne. Si on veut, à l'intérieur de l'Allemagne, déjà, le gouvernement Merkel n'était pas perçu comme un gouvernement de confrontation. On parle même d'une social-démocratisation des chrétiens-démocrates. Et maintenant, à plus forte raison, avec la Grande Coalition, ils ont réussi à réintégrer les directions syndicales dans un consensus. Le profil du SPD que Scholz représente est certainement presque exclusivement propagandiste et très loin, très éloigné de la pratique réelle du parti. Et di fronte a questa situazione, qual è la posizione delle organizzazioni della sinistra tedesca nei confronti della candidatura di Alex Tsipras alla presidenza della Commissione europea? Quelles sont les positions dans cette situation des organisations de la gauche allemande vers la candidature d'Alexis Tsipras comme président de la Commission européenne? Ben, je suis de l'avis que la décision de faire de Tsipras symboliquement hein, la tête de la candidature du parti de gauche européen est une bonne idée. Les milieux de la gauche anticapitaliste radicale en Allemagne ont des doutes si Syriza va vraiment dans l'hypothèse où il y aurait une crise gouvernementale en Grèce et des élections. Syriza pourrait mener un gouvernement de gauche en Grèce si Syriza serait vraiment prêt à entrer en conflit avec la Troïka, avec l'Union européenne, avec le Fonds monétaire international et la Banque centrale européenne. Mais de toute façon, c'est une possibilité qu'il y ait un conflit profond et que Tsipras réussit à lancer un débat dans toute l'Europe, capable de mobiliser la solidarité dans les autres pays. Et de toute façon, si cette hypothèse se réalise, il pourrait y avoir un changement du rapport de force si ça réussit. D'autre part, il faut dire aussi que, comme le parti Die Linke en Allemagne, qui récemment vient de tenir son congrès de préparation pour la campagne électorale pour les élections européennes, a mis beaucoup d'eau dans le vin de sa critique à l'Union européenne. Je pense qu'on peut dire qu'il y a de bonnes revendications sociales, écologiques dans le programme, mais ils ont éliminé les caractérisations critiques de l'Europe-Union de l'Union européenne comme non démocratique, militariste et impérialiste. Ils ont éliminé pour que le chemin reste ouvert, qu'ils peuvent un jour, au niveau fédéral, être un partenaire de coalition pour le SPD et les Verts. Et donc, l'orientation générale du parti Die Linke et du parti européen, de la gauche européenne, est aussi une position, même s'ils disent que les bases constitutionnelles de Lissabonne hein, sont mauvaises, qu'il faudrait en changer tout cela,
mais reste quand même une position de réforme des institutions de l'Union européenne et pas revendiquer la construction d'une autre Europe par en bas, par un processus constitutionnel qui se base sur les luttes, les résistances, l'internationalisation de l'auto-organisation par en bas des salariés et des laissés pour compte. Et ça, c'est donc la critique de la gauche anticapitaliste au sein du parti et aussi en dehors du parti Die Linke à l'attitude du parti Die Linke et de la gauche européenne. Infine, adesso l'ultima domanda: che ruolo potrebbe svolgere in Europa un coordinamento internazionale delle organizzazioni anticapitaliste? La dernière question: quel est le rôle qui pourrait avoir une coordination internationale des organisations anticapitalistes en Europe? À mon avis, c'est une question très importante. C'est très important de tisser des liens entre les différentes organisations anticapitalistes en Europe pour avoir une réflexion commune, une élaboration commune et aussi pour pouvoir avoir des initiatives communes pour des mobilisations au-delà des frontières, hein, des États nationaux. Nous avons en Allemagne une démarche de regroupement des petites forces anticapitalistes qu'il y a en dehors du parti Die Linke, entrant en dialogue avec les forces organisées en courant anticapitaliste au sein de Die Linke. Et dans ce cadre-là, je ne sais pas encore si ça va se réaliser, les partisans de cette démarche qui appelle à une nouvelle organisation anticapitaliste en Allemagne, ils essayent d'organiser, de lancer l'idée d'un congrès européen ou d'un grand rassemblement, un congrès au niveau européen de la gauche anticapitaliste en automne à Berlin. Et ceci en reprenant deux dates, 100 ans, Première Guerre mondiale et capitulation de la social-démocratie, destruction de la Deuxième Internationale, et en même temps 150 ans, Première Internationale, l'Association internationale ouvrière, qui avait été fondée il y a 150 ans pour discuter ensemble entre les forces anticapitalistes européennes aussi sur le renouveau d'un internationalisme conséquent qui implique aussi, au-delà de campagnes communes, de se mettre ensemble et de créer un début d'organisation, d'une nouvelle organisation politique au niveau international, anticapitaliste et adversaire, disons, aux tendances à l'intégration dans le système des forces de la gauche modérée.